Bonjour, je m'appelle Sarah. Aujourd'hui, je vais parler de l'absence du verbe être en arabe. Comme vous voyez là, tu, u, pour. N'utilise pas le verbe être. Là, on écrit de la droite à gauche. Là, comme vous voyez, il y a en français, il y a trois mots, en arabe, il n'y a que deux. Parce que l'un n'utilise pas le verbe être. Comme vous voyez là, anta, ça veut dire tu. Mahboul, ça veut dire faux. C'est pour ça, à chaque fois, on fait des fautes en arabe français.